Moi, ça me donne envie de danser les clips. Je te jure, hein, tu sais quoi, ce soir, j'ai envie de bouger, je m'en fous. Hein. Franchement, vous savez pourquoi moi j'aime bien aller en discothèque? Les gens ne me croient jamais quand je leur dis. Moi, j'aime bien aller en discothèque pour observer les autres danser. Pour moi, c'est un truc incroyable. Je m'assois comme ça, je commence à boire des coups et je me dis, je sais pas, je vois quelqu'un danser, un mec, je dis, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie à ce mec? Quels sont les événements inscrits dans son chemin personnel qui font qu'aujourd'hui il danse de cette manière-là? C'est passionnant. Alors dès que j'arrive à côté de la discothèque, déjà cette musique me parvient de l'intérieur. Et je me dis, oula, ça va être chaud. Attendez, on n'est pas rentré, oh! Quand t'es devant la boîte, t'attends, tu paies la queue, tu fais pas aller. Arrête! Surtout si le mec il te dit tu rentres pas, tu lui fais pas, c'est pas grave, je kiffe. Arrête, y'a le videur qui est là, ou le rentreur, ça dépend comment tu vois les choses. Ce que j'aime bien, c'est quand le videur il est grand, il mesure 2 mètres, il est balèze, il est costaud, ce que tu veux, mais il a un seul défaut qui démystifie tout. Ça casse tout. Il veut vote. J'adore. C'est pas possible. Désolé, c'est pas possible. Mais monsieur, même si vous me laissez pas rentrer, rien que parler, c'est bon, ça me suffit. Dites-moi par exemple, ma soeur, elle habite à Dallas, elle joue du saxophone, elle s'appelle Samantha. Écoute, fais pas le malin, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, aujourd'hui on est samedi et c'est une soirée spécialement faite pour les habitués, coco. Les habitués, ça veut dire quoi, les habitués? Comment tu veux qu'on s'habitue si tu nous laisses pas rentrer la première fois? D'où tu veux qu'on s'habitue? Laisse-nous rentrer 10 minutes, on va bien s'habituer. Écoute, t'es mignon, t'es sympa, tu m'as l'air sincère. Alors, je vais faire une J'aime pas ce mot. Mais tu vas rentrer pour t'amuser, coco. Sérieux, c'est vrai? Vas-y, sérieux? Je dis vas-y, ok? Yeah! Woo! Hey! Allez, venez! Regarde le mec sur la piste là-bas. Waouh! Tu connais ce genre de mec, tu sais, très timide. On dirait ça fait 8 ans qu'il hésitait à aller sur la piste de danse. Et finalement ce soir, ça y est, il y va, il a le courage. C'est parti, ouais! Il y en a un autre là-bas que j'aime bien aussi, je sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui joue tous les instruments de musique quand il danse. Il croit que c'est lui qui fait la musique de la boîte, tu sais, il est là. Ça c'est mon préféré. Le mec déchiré au milieu de la piste, il fait rien. Attends, il y a une super jolie fille. Je connais ce genre de fille dans les discothèques. Avec le forfait string piercing, je te raccompagne le parking. Quand elle trinque avec toi, ce genre de fille, elle peut pas s'empêcher de dire à chaque fois « Dans les yeux !»« Dans les yeux, sinon ça va !»« Dans les yeux, je suis désolé !» Et toi, comme un con à chaque fois, « Dans les yeux, vas-y, allez, dans les yeux !» Quand elle veut aller danser, cette fille, elle peut pas s'empêcher de dire à ses copines « Wouh, j'adore cette chanson !» Thank you.
Country. Il y en a un là-bas, il danse le rock depuis le début de la soirée. Il est 4h du mat, depuis 23h, il veut danser que le rock, quelle que soit la musique. Lui, il s'est dit, je danse le rock, je sais faire que ça, j'y vais à fond, quelle que soit la chanson. Il est là, vas-y, ouais. J'aime bien aussi, c'est celui qui est sur le bar et qui croit que c'est lui qui met l'ambiance dans la discothèque avec sa main, tu sais.